Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont sur chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Et si on a l'autre plaisir, l'autre occasion, nous tournons encore sur la plateforme Parler Haïti avec une autre émission. Moi, salut toutes les amis qui branchent Parler Haïti, La Voix du Peuple. Eh bien, salutations par nous spéciales. Que papa, mon Dieu, continue béni. Toutes fanatiques Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Moi, salut l'équipe là. Moi, salut les personnages. Comment nous y est? Moi, salut tout le monde qui est handicapé. Moi, salut les paysans en Haïti. Que mon Dieu protège nous. Et fanatique qui a fait aujourd'hui à bonne fête, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que Seigneur fait nous plus jour, plus année comme ça encore. Mais aujourd'hui à là, qui c'est jeudi, jeudi, exactement 19 janvier 2023. Merci en pile avec toute fanatique Radio Parler Haïti. En aller, nous charger information, nous va prêter en pile information pour charger, pas camper, pas camper. Désormais, c'est confirmé qu'on y a là. Ariel Henry li jwenn un moun ki a ki nan gouvernement de facto la. Nou kapab di sa. Eh bien, madame Mirlande Maniga, madame Bessie Kounia la et li déjà nan gouvernement de facto Ariel Henry a. Eh bien, information Ariel Henry, Mirlande Maniga ou même yo déclaré yo pral travay pou yo fè élection ane sa. Yo di yo pral travay pou yo rezout problèm insécurité ane sa. Men pou mwen menm, se gagot. Yo pa fè anyen vre, 31, 21, se menm tenyen. Pa gen anyen yo pral fè vre. Eh bien, madame, mesye, se konfime, Mirlande Maniga, deja nan gouvernement de facto Ariel Henry a. Apre, Ariel Henry de facto te fin pibliye Mirlande Maniga nan journal officiel Pays d'Haïti. Gen pile moun ki déclaré eh bien yo pa d'accord ça pa ka continuer comme ça yo pa d'accord pour ça fait gen leader parti politique petit de Saline nan moi Jean-Charles qui te déclaré faut que c'est sous fiel li pour Ariel Henry passer puis on vient avec yon accord qui c'est accord 21 décembre OK accord 11 septembre nan pa gen ça encore konya konya gen accord 21 décembre alors c'est ça que les version PHTK 4 là eh bien version PHTK 4 là madame Bessie, li commencé dans pays ya là. Eh bien madame Mirlande Maniga qui pas jamais parler, pas jamais sorti dans silence, mais bien yo déclaré, alors on parle de équipe de facto a déclaré, yo pral faire élection, yo dit d'ici juin qui pral venir là, ta supposé et gain toute information sous dossier élection qui pral faire dans pays ya. Et yo déclaré à partir février et 2024 comme ça février 2024 eh bien supposé gagner un nouveau président qui peuple a voté année ça bon kounya là madame BC et moi faire nous donner plus de détails moi Jean-Charles qui dit c'était Sophie elle pour passer pour installer bagaille ça bien installer oui mais c'est pas seulement parler nous supposé faire action OK nous supposé faire action regardez ça il y a fait devant nous là nous pas faire rien nous songer sous président Jovenel Moïse, nous te commencé à dédoubler chaque jour dédoubler. Garde ça Ariel Henry a fait là. La publier décret vle, la prend la li prend décision vle, li mette moun li vle, nous pas jamais ka di rien. OK? Nous n'a même bèf la n'a tété, n'a boilette. Nous pas bay moun fait rien pour nous. Mais pour peuple ka connaisse moun sérieux nous, nous toujours foncer les déclarations. OK? N'a foncer les déclarations, mais nous pas jamais fait action. Nous parlons de madame Bessie plus détails sur gouvernement de facto version PHTK 4 là eh bien qui prend pays là et met innocent tcheko peuple là m'salé tcheko peuple là zen la kay news frère Jean-Claude comment yé eh bien en aller nous allons faire entendre plus détails madame Bessie sur accord 21 décembre qui nous capable dit qui officiel dans pays là eh bien Ariel Henry Mirlande Maniga madame Bessie HCT au conseil transition. Un bref reportage avant nous continuer ba information sur dossier accord 21 décembre qui installé dans pays. Gouvernement haïtien publié dans journal République Pays le Moniteur arrêté qui nommé membre au conseil transition qui était créé par un consensus national pour une transition inclusive et pour organisation prochaine élection yo dans pays pour renouveler personnel politique yo. C'est monsieur Laurent Saint-Cyr, monsieur Calix Fleridor et madame Mirlande Hippolyte Maniga qui formaient membre au conseil transition si là.
Yo démarche plusieurs militants politiques s'allier. M'passe nomilan signifie yon paquet de bagay. Nomilan signifie fierté, signifie l'amour, respect. Et ça que m'pense. Et m'a dit Milan ça tout. En politique, pas gen fait cadeau. Pas parce que ou vin non bagay la, mission, c'est pour faire élection. C'est pour stabiliser le pays. Face avec des gangs armés qui ont des âmes dans les mains. Je ne dis pas là, je dis là, je ne vais pas gagner à compte. Je ne vais pas gagner à reproche. Je ne pense pas que tout. Milan Cap, c'était pour dicter la main internationale. Pour l'international, porter pouvoir pour 10 Milan. Je dis, dresser pouvoir par oligarque pour me dresser par PHTK. Je pense que Milan a une grosse responsabilité sous dol. Oui, arrêté à sortir et il sorti arrêté à publier, c'est à féliciter. Et je pense que et faut. Voilà, arrêté à publier dans le journal officiel PIA, Le Moniteur, Madame Bessé, Madame Mirland Maniga. Madame Bessé, c'est confirmé déjà dans le gouvernement de facto Ariel Henry, pas gain ou pas bois. Eh bien, il dit. Pral gen élection année ça et yo vinn travail sou question insécurité captaille banda nan pays d'Haïti. Moi même nan chaîne parler Haïti moi di 21-31 c'est même temps pas gen rien pour le faire vrai. Madame Messieurs sous chaîne radio parler Haïti radio la voix du peuple et bien l'autre information qui gen là gagne bandi ou même qui la police font gros coup de filet là, la police te fait une opération dans opération si là la police fait l'anti-rivière Saint-Michel dans Saint-Michel. Eh bien, la police mette en bas-code yon groupe gang sa ki tap opéré Saint-Michel de la Talaï. Eh bien, kounya la, en pile nan bandi sa ou soti ti rivière de la Tibonite ki fait partie groupe gang Grand Griffe la. Eh bien, la police mette en bas-code de bandi avec yon sécurité. Alors, nous pa konnen pou ki sa la police arrête sécurité ya, mais ou voye image la ba nou. Eh bien, ou di, gen yon dossier ki pa correct, madame Messi. Eh bien, nap essaye mette sou écran pou ou. Et bandi si la, ok, la police mette en bakod nan opération yo fè madame Bessé nan Saint-Michel de la Talaï. Sa se yon nan bandi yo, et la police mette en bakod. L'autre bandi a ke la police pren, c'est voilà, c'est monsieur Abgade sou écran la. Et bien yo di monsieur son gang fragile, monsieur li même li participe nan plusieurs dossiers kidnapping déjà nan pays ya. Eh bien, l'autre moun a, la police arrêté là, son sécurité, ça son équipe qu'on a baillé sécurité dans banque. Même beaucoup de gens me connaissent pour qui ça, yo arrêté monsieur. M'pa konnen si la police suspect monsieur dans question gang ça vient, mais on mette monsieur en bas code tout et il y a un pile monde qui dit la police pas supposé arrêter monsieur, pas supposé montrer image là. Moi m'pa konnen et la police cap travail information bam nan et c'est comme ça moi baillé li. Eh bien, c'est comme ça. Alors ces armes ça yo joine dans mes bandits madame monsieur. Avec plusieurs cartouches dans l'opération que la police fait, madame Bessé, yo mette bandi sa yo, qui fait partie du groupe gang, et ça vient Grand Griffe. Voilà, et voilà, on nous continue. Gayon dame là, dame nan, et nous allons le faire un petit parler, eh bien, lycée yon infirmière, c'est pas trompé, lycée yon infirmière, que lui-même qui dénonce yon situation que lui trouve là. Ok, eh bien, talè. Nous pral tande madame Messier avec un pile tristesse, yon dame qui se yon jeune infirmière licencié qui découragé en Haïti. Et information nou jwenn, li gen licence nan men, li pa ka travay. Comment faire ou gen licence nan mon pa ka travay? Ça fait ça même. Depuis 2015, mal composé 2016, mon gen licence depuis 2016. Si m'ta di pou jiskou nyan boko jan travay l'hôpital yon jour ka di qui pas réalité mais malgré moi j'ai licence. Je suis infirmière et puis aller prendre soin communauté côté me sortir. Mais jusqu'à présent qui pour capable réaliser parce que qui ça ou censé jouer une barrière tout côté passé. Tout ça fait ou censé pas qu'à joindre une porte de sortie. Parce que lors déposer CV en côté, yo souvent mando faut qu'on gagne expérience. Et malgré ça, pas gen yon moun ki comme si ki vle commencer ensemble avec ou et ki koto pral sorti pou jwenn expérience sa si pa gen yon kote ki vle commencer ensemble avec ou.
Gino, ou fait un mois de travail de nuit pour toucher $1,500 qui pas même répondre avec cob machine seulement. Selon moi-même, ce job là, yo pas de vrai bon qui fait, yo te exige c'est de nuit pour me faire. Ensuite, yo te dit c'est $7,500 bon moins. Parce que un professionnel de santé pas cap toucher petit crasse comme ça. C'est pas possible. Même cob machine ça pas d'ca bon moins pendant un mois. Pour me payer ma machine à travail, faut manger, faut me payer quand, faut m'habiller, me pas caler sous passe ou n'importe quoi. 7,500 gouttes, pas t'as qu'à répondre avec besoin. Puis quoi mal à quitter quand marqué, me songe c'est. Voilà, histoire triste, il y a un hôpital qui c'est une clinique qui te voulait prendre mais il y a bali 7,500 gouttes et ou même qui pas connaît ça 7,500 gouttes par mois, il y a 7,500 gouttes, nous on a parlé là les $50 américains qui veut dire il y a un infirmier, il y a un monde qui passe temps à étudier qui fait plus passer 4 à 5 années là et apprendre en pile bagage et bien mon arrivé formé connait là yo pour yo bal travail en pile difficulté gè côté le passé même yo mandé pour yo coucher pour capable bal travail mais qu'on y a là côté qui veut bal travail là yo dit à bal 7500 gouttes qui égal avec $50 américains par mois à la dérespectant ça mais c'est non pays qu'on y a là w ap di m on jeune une opportunité pour quitter pays il a prêté li pas prêté zanmi li pas prêté bagay la triste en pile 7500 gouttes et parce que gè moun prit de 7500 yo pense en pile bagay 7500 gouttes en Haïti, c'est $50 américains liés pour jeudi à la qui c'est jeudi 19 janvier 2023. OK? Et pas en pile cop. C'est non blanc autant de qui goa, mais il pas en pile cop. On allez, madame monsieur, et l'autre information nous gagne cap domine actualité à la, gagne et une dame là qui sortit dans silence et dame ça qui c'est un responsable organisation droit moun en Haïti Marie Rosie Auguste et bien qui mandé pour instance concernée pour yo poursuivre tout juge corrompu CSPJ sanctionné et puis yo déjà metti au dehors dans système là et pendant pour y aller juger et bien madame monsieur Marie Rosie déclaré fuck tout gang ça yo nous pas les juge nous les ça gang. OK, gang bandi sale yo qui t'a travaillé dans le système, c'est des corrompus. Nous pas carré les juges. L'on parle des juges, ils sont moun soir, moun qui comprend droit. OK, nous pas cap sale non juge. Ça ou pas juge, ça c'est des cochons, on c'est des sanguins, on c'est des à tout fait zinglendo, mafia. Nous pas carré les juges. OK, c'est moun sale, moun ça oui. Juge, c'est bon bagage juge, capable juge, c'est moun qui propre, c'est moun cap travail avec droit. OK, nous pas carré ça au juge. Si nous elle ça au juge, nous vexer moun, nous vexer étudiant qui n'en droit. OK, nous vexer moun bon juge yo cap travail nan pour bay justice avec moun qui mérite. On a. Comment nous y est? Et côté magistrat ça yo nan appareil judiciaire là, en fait, c'est un service que li rend société haïtienne là. Madame Marie Rosie Auguste du Sénat qui c'est responsable programme nan réseau national défense droit moun RNDDH qui réagit sous dossier 30 magistrats conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ mettez des yon dans système judiciaire haïtien pour corruption, abus autorité, enrichissement illégal ak divers lot. Résultat ça a montré que effectivement en dans appareil judiciaire haïtien gagné en pile magistrat qui gagné problème. Nous estimons dans RNDDH que commission technique de certification CTC li fait un travail de qualité et nous souhaitons que CTC a continué fait travail ça et avec sérénité. Madame du Sénat mandé ministre justice et sécurité publique là Emily Prophète Milse mettez en application document CSPJ voyez Bali document qui gère rapport à 30 magistrats conseil technique certification CTC pas certifié yo pendant quoi autorité concernée yo doit poursuivre magistrat sa yo pour zak yo reproché yo. Nous espérer que ULCC avec BAF pour saisir rapidement de dossier magistrat qui pas certifié yo pour capable mener enquête et il y va transférer rapport d'enquête pour tout magistrat qui impliqué dans des actes délictueux à juridiction de répression pour yo.
OK madame messe bagaille le comme avec question mimi n'a fait là c'est arrêter nèg yo c'est voler gang sale nèg yo OK arrêter nèg yo nèg ça causant pile moun mouri dans pays yo causant pile moun dans prison là pas jamais cas une justice dans pays d'Haïti arrêter Jacques sale ça ou ça disant qui ça ou parler légis ça me dit c'est des voleurs mafia on c'est des nèg qui pas même faire 6e année fondamentale ou nèg ça c'est juge non pays qui te respectant ça gien nèg qui pas gien mon bout de papier 7e année fondamentale c'est juge non pays bagay ça faut que li fini dans pays ya. Voilà madame messieurs sur chaîne radio parler Haïti radio la voix du peuple nous pas en parler en pile c'est marre nèg nous fini ma, tout 30 juge volé assassin ça yo zinglindo ça c'est marre pour nous fini on allez. Dossier kidnapping dans le pays d'Haïti. Bandi avec Zam kidnappé Madame Denise Foucha. Eh bien, Madame Martine Foucha, les dents. Ok, Madame Martine Foucha, les dents. Eh bien, bandi kidnappé sur route Pélerin. Eh bien, victime dans la route pour aller dans Birol. Eh bien, malfrayo, yo kidnappé, yo mandé yon quantité l'argent qui c'est $500,000 américains pour libérer Madame Sila. Gang yo kidnappé, yo mandé $500,000 américains pour libérer. Paye ça, mes amis. Quand il paye $500,000 américains pour le bail bandit, qui de respectant qui vient dans le pays, ça, monsieur? Ravis a demandé $500,000 américains pour libérer. Oh, ainsi va notre cher Haïti. Dans le cas de Maïa, monsieur, dame, n'a pas contrôlé le bourgogne. Ok? Ok, fait crime. On allez. Et voilà, on nous continue l'émission. On nous continue l'émission. Nous parlons fort de madame, monsieur. Et détail avec talé. OK. Voilà. Dossier prophète Bergia, dossier ça pas petit, elle prend l'autre phase. Avocat t'es pensé hier qui était 18 là, prophète Bergia t'a besoin de libération. C'est bien compté, mal calculé. D'après information nos jeunes, yo jeune prophète là chargé dossier sous dol. Yo jeune prophète là dans question gang kidnapping. Attention, c'est pas moi-même qui dit, ça c'est information qui sorti dans enquête y a mené sur père prophète Bergia. Eh bien libération prophète Berger, li pas facile. Avocat prophète Berger a fait gros déclaration, li déclaré arrestation ça illégal. Ou pas le saisir tant de cause. Entendez avocat prophète Berger qui sont en silence. La prière bon Dieu qui a fait miracle pour guérir moun. Ma ka comprendre, expliquez-nous nan ki ça yo di prophète Berger tombé là. Et bon nous-même n'a profité alors maître signifie juste avocat militant du barreau du Port-au-Prince, m'a profité pour me saluer la presse écrite télévisée donc qui est en ligne qui présente avec nous aujourd'hui au paquet. Et comme nous constatons la présence maître Sini là qui pas seulement lui comme avocat mais étant d'autres avocats également qui accompagne nous, c'est pour nous faire des démarches auprès du paquet, spécialement le commissaire du gouvernement par rapport avec arrestation nous capable dire illégale donc arbitraire que contre monsieur Théodore Jamison dit alias prophète Berger, façon donc que prophète l'a arrêté illégalement samedi l'après-midi, que après avoir donné donc une conférence aux environs de Champ de Mars avec 5 journalistes sur 3 aspects fondamentaux et donc je vais citer pour vous. Premier aspect à cette question et scandale de Kamel Lafleur, non? Et deuxième aspect c'est par rapport avec le carnaval 2023 et troisième aspect et si ça concernait nous ensemble des patriotes nous qui a déplacé en masse qui parle devant immigration ou bien point ou fait passeport yo pour ta faire demande passeport pour quitter pays dans le programme Biden là. Et c'est sur la conférence ça que passant l'y arrêté et va pas voilà c'est à peine sauté en prison civile de Port-au-Prince moi sauté prend copie mandat ça que qui t'a mettre compte au fait Berger et dit donc que Jamison dont Jean Théodore que nous mêmes que nous condamné parce que mandat l'y t'a mettre illégalement, parce que son mandat qui met pour menace descendue, vous voyez, menace descendue et association des malfaiteurs au préjudice de la société. C'est ça la justice est critiquée. Oui, nous dit que pas gagné yon plainte, pas gagné yon plainte qui t'a émet contre pour faire là, c'est contre la société. Et maintenant, il t'a dit pour faire t'a fait menace descendue, ça veut dire la société, c'est comme qu'il t'a menacé qu'il a fait du fait. Où ça? Est-ce que vous avez un plainte? Non, c'est ça que tu as un mandat que tu as émis en 2022, déjà en septembre, contre le prophète Berger. Nous avons une série de photos qui sont le prophète Berger, qui a un zam à gauche, un zam à droite, un zam à la mi-temps, qui a 5 zam. Vous n'avez pas critiqué pour ça? Bon, normalement, en pile
et comme tu as dit, et vulgarisation des réseaux que tu as fait, quoi, que pour faire berger, c'est via photo, ça a été arrêté. Mais il a dit non, et avec entretien, il y a pour faire, non. Il dit non, parce que c'est des photos de invitation et qui a été lancé par le CPJ. Il a répondu à l'invitation. Hein. Il t'a posé la question de répondre après audition CSPJ, où tu m'as dit la CAELI. Il a pour un mandat qui n'a pas une question vidéo, photo là-dedans. Et encore, puisque nous avons une législation pénale qui ne prévoit peine pour question vidéo. Par contre, texte de loi qui punit sa relie dans vidéographie en Haïti. Pas de gavis de recherche d'elle? Non, pas de gavis de recherche. Pas de gavis de recherche comme mon son mandat. Un mandat, pas un avis de recherche. Un mandat, c'est une autorité qui émet contre un citoyen pour une infraction d'affaires. Malheureusement, le mandat, c'est œuvre du commissaire du gouvernement. Il a dit que le commissaire du gouvernement n'est pas maître du mandat d'amener. Qui commissaire? Qui commissaire? Est-ce que Zamsa lui fait un compte qui voit que le déjeuner de Zamsa? Non, mais écoutez bien, il te répond une question déjà de CPJ. Qu'elle te dit que c'est dans tout nez, elle dit moi, qu'elle t'a fait pour la paix dans la société, hein, que dans tout nez ça, qu'elle t'a à la quelque base quand même, qu'elle t'a prêché. Et elle t'a dit CPJ, ou qu'on dit CPJ, comment elle t'a dit qu'elle t'a déjà voulu la Cali depuis en 2020-21. Mais ouais. Photo ça, elle fait ça avec Zamio, l'appel t'a mis sous Zamio? Bon, ou qu'on est les prophètes dans lui-même qui l'a dans endroit. Côté qui vidéo ça t'a fait ou t'a vulgarisé yo. Si ou al prêcher la paix ou pas ka et condamné à ce que moun nan gon zam nan men li kanpi bon koto photo fait et c'est pas berge qui mande photo en fait ça qui arrive que ou te livre yo bon yo font photo li pas ka opposer avec parce que comme homme l'église ou dit comme homme Dieu photo en fait quand même que indépendamment de sa volonté mettre là monsieur pour photo et on zam lo qui passe dans koul il mettait un appel kembel yon nan men de l'enceinture ou dit comme ça que et mandel ça veut dire vous voulez dire pression te fait sur lui bon et encore une fois que ou a dit une photo passer dans courant moi même que et ou pas prendre le passer dans courant que moi même pas ouel sur réseau passer dans courant parce que me poser la question dit maintenant il a fait tourner non endroit écoutez donc monsieur Azamioye que il t'a demandé yo l'appel il t'a invité par CSPJ par DCPJ il te répond une question qu'il faut pas auditionner. Et de CPJ te dit que bon, on fait un travail comme pasteur, mais faut très prudent, pas faire ça encore. Vous te blâmez, et puis ça te fini. Et je vous dis, hein, c'est pas. Et de CPJ Caritel, c'est le commissaire du gouvernement qui a un mandat contre lui. Qui commissaire ça? Bon, c'est justement Jacques Lafontaine. Malgré qu'il a fait un travail, nous, après Sinova Kea, qui a un mandat, mais nous présents là, nous déjà avons une requête, nous avons dit avec elle, nous prenons Chita pour nous voir qui est capable de faire avec le mandat, pour le temps, nous demandons l'exercice à nous faire. Pour l'excès prophète, là, pour le temps d'il, et après, on a pour de demande de vendre, qu'il a loi bon nous, et provision pour ça, à ce que le prophète soit libéré sans condition. Fidèle l'église accompagne. Bon, normalement, on connaît chaque parcours avocat fait, pas obligatoire fidèle là. Parce qu'il y a un avocat qui a fait avec des procédures, qui va aller en prison, parce qu'il est en prison matin, il monte au mandat. Qui a fait, il tout aller va et vient, il n'y a pas fidèle accompagné. Moment opportun, ou après fidèle, yo, comme autrefois, lundi, au paquet des Port-au-Prince, où tu es, où tu as crié, où tu as prié, parce que l'absence prophète dans le dimanche te fait au mal, et après, le prophète n'a pas mangé, tu es seulement de l'eau qui tourne de la poire, parce que l'asthmatique et l'hypertendue. Oh, sans tel grave. Bon, finalement, moi-même, là, c'est tellement grave, n'a pas demandé à commissaire à ce qu'il prenne des mesures qu'il faut, parce que si le prophète est en prison, pour un petit temps, encore mourir. Il n'y a pas de Saint-Esprit visiter. Bon, on connaît que un croyant, c'est justement un homme de Dieu. Et m'a dit que Gauthier qui t'a dit c'est un incroyant qui croit que les croyants ne croient pas. C'est un incroyant qui croit que les croyants ne croient pas. C'est que même les gros philosophes qui critiquent l'existence de Dieu, dont Voltaire, que lui dit que si vous vivez sans mon Dieu, ou pas mourir sans mon Dieu. Nous dit que fidèle, alors pasteur, hein, c'est pour être berger, il était croyant, ok, il était croyant avec foi lui, et que la prière, et que la prière qui est la chose première. Il nous croit que Dieu, c'est pour mes défenseurs. Là, moi-même, avocat comme défenseur, je bon Dieu. Moi, c'est qu'il a visité tout le temps, à ce qu'il a porté support pâle, et que mes divines là, il nous croit que dans les heures qui viennent, pour faire là, à trouver un traitement adoucir là, que la loi baille, le commissaire pour besoin légal. C'est ce qu'on a souhaité. Bon, mais pas oublier que l'avocat a tout souhaité. Ah, oui. L'avocat a tout souhaité, l'avocat a tout requéri. C'est justement le commissaire du gouvernement pour décider. Mais malgré que les demandes de l'avocat ne sont pas illégales. D'accord, des demandes légales par rapport avec Emmanuel Adamne qui a été émis et arrêté donc monsieur de Benji Théodore, jeté en prison sans auditionnement. D'accord, c'est grave, oui, sans auditionnement. Amener c'est arrêter mais ne venir tendre.
D'accord? Et moi-même, qui suis tombé des nues, que yon mandat d'amener yon commissariat arrêté, yon arrêté prophète là, yon dans le commissariat et après 3 jours sans audition, sans donc traîner au parquet ou la gueule dans la prison. C'est illégal. Ça doit. C'est illégal. Encore beau Napton là. C'est illégal. Donc on dit, nous dit qu'effectivement c'est tard, mais c'est pas encore trop tard pour le faire. Merci. Nous avons demandé encore yon un traitement favorable avec M. Jacques Lafontaine, commissaire du gouvernement, qui font travail, maintenant qui est intéressant, malgré qu'on rapport CSPJ, donc bon, qui saute sinon la donne, mais on a demandé que le commissaire du gouvernement la font travail intéressant, oui, que le commissaire a demandé et que le rapport CSPJ a copié la donne, et on a demandé avec les conseillers que le commissaire du gouvernement ait une copie du rapport pour capable voir est-ce que ça vous dit en sévérité, et nous croyons qu'il faut apprécier le commissaire ça l'a fait. Merci. C'est malheureux, merci. Enfin, quel est où c'est chrétien et tout? Bon, nous sommes croyants catholiques, nous sommes croyants. Merci. Enfin. Oh.